Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je procède à la guidance pour les scorpions en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, je voulais vous donner quelques informations. Donc, maintenant, je procède à des guidances journalières. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les jours votre petite guidance. Je fais également, j'ai déjà bien avancé sur les guidances de décembre. Donc, je vais faire prochainement aussi des guidances sentimentales. Hein, donc, je ferai certainement décembre et janvier en même temps. Je ferai également dans quelques semaines les guidances pour le premier semestre. Donc, restez bien à l'écoute et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place là prochainement. Alors, j'ai eu la carte de la femme et la carte de la parole. Hein, donc, il y aura des discussions. On voit que pour vous les scorpions, il y aura des discussions. Alors, ça peut être des discussions avec une femme en particulier. Ça peut être aussi entre femmes. En tout cas, vous allez, pour certains, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. La parole, pour moi, vous voyez, c'est quand même des règlements de compte parfois. Hein. Bon, après, ça peut être des communications simples. Hein, mais bon, on va voir, on va continuer. On vous parle de oui par rapport à la santé. On vous dit qu'en fait, c'est. J'ai l'impression que pour certains, vous allez discuter de quelque chose qui vous chagrine. Émotionnellement, on voit que vous allez être à l'écoute de vous-même. Et on me dit, ça, vous êtes enfermé dans une situation, ça vous rend malade. Et donc, je pense que pour certains, vous allez discuter honnêtement de quelque chose avec quelqu'un. Ou avec plusieurs personnes, hein, c'est possible également. On me parle du retour d'une situation, il y a un changement. On me parle de changement et de cadeau. Hein. Alors, le retour, ça peut être le retour d'une personne du passé. Peut-être un ami, un chéri, une chérie, quelqu'un de la famille. On me dit qu'il y aura des discussions. Vous allez vraiment discuter honnêtement avec cette personne pour une phase de changement. Et on me dit que derrière tout ça, il y aura un cadeau. Alors, le retour, ça peut être aussi quelque chose qui se répète. Hein. Vous voyez la roue, peut-être que vous êtes dans une situation qui se répète toujours, donc là vous allez franchement en avoir assez pour certains ou certaines, et vous allez vous dire bon c'est tout, faut que ça change maintenant, et vous allez en discuter honnêtement, et on me parle de beaux cadeaux derrière, hein. Voilà, on me parle de fécondité, on parle d'une femme qui pourrait vous annoncer peut-être une grossesse. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui est en train de germer. On vous dit que vous êtes dans des nouveaux projets, vous avez envie de quelque chose avec un homme. Donc là, on parle d'une femme et d'un homme qui vont discuter honnêtement par rapport peut-être à l'arrivée d'un enfant. Ou peut-être que vous avez envie de tomber enceinte, vous avez envie de fonder une famille. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un couple ou peut-être un homme, une femme, ou plusieurs hommes, plusieurs femmes qui vont discuter d'un projet en commun, en tout cas. Et on vous dit qu'il y aura de la jalousie. Donc, ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir une prime ou je ne sais pas, il y a des personnes qui vont vous jalouser par rapport à une situation. On me dit que vous allez... En tout cas, vous en avez assez. Vous voulez une phase de changement et on me dit que vous attendez un verdict. On parle de beaux cadeaux par rapport à cette prise de décision et que vous ne voulez plus d'échec. On me dit qu'il va falloir trancher pour éviter l'échec ici. Hein. Ah, vous ne voyez pas les cartes. Hein. Donc, je vais mieux filmer. Voilà. Voilà, on me parle de cadeaux, de lois et d'échecs. Donc, on me dit, il y a quelque chose qui va être tranché, ce qui va vraiment vous amener un beau cadeau. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. On me dit, il y a eu... voilà, vous ne voulez pas rester sur cet échec. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être un verdict de par rapport à la loi. Vous attendiez peut-être, je ne sais pas moi, par rapport à un procès, par rapport à une somme d'argent. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi... peut-être que vous séparez, hein, tout clairement, avec quelqu'un. Et là, vous allez avoir gain de cause. Hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Et il y a un cadeau derrière tout ça. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on me parle de... Vous voyez, on me parle de séparation. Et on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à cette séparation. Émotionnellement, vous vous séparez de quelque chose. Alors, ça peut être de quelqu'un, d'une situation. Mais ça peut être aussi vous qui allez vous séparer d'une situation. Vous prenez des distances par rapport à la trahison ici. On me dit il y a eu trop d'instabilité. C'était très instable votre vie parce que vous étiez dans... Vous laissiez trahir à chaque fois. Vous en avez assez d'avoir des couteaux dans le dos. Hein, et vous prenez de la distance par rapport à ça. Et là, on parle que vraiment, émotionnellement, on me parle de que vous attirez vraiment quelque chose de beau parce que vous êtes protégé et guidé. Hein. Mais bon, c'est parce que vous prenez les choses en main. Hein.
Vous savez, quand on répète des schémas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Je le dis toujours. Et que si on attire à soi toujours des personnes néfastes, toxiques, que ce soit en amour ou au niveau travail, ou si on ne se fait pas reconnaître, c'est qu'on doit comprendre quelque chose. Et à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et montrer qui vous êtes vraiment. Moi, je dis toujours, faut reprendre son pouvoir. Hein. Voilà, on me parle de... qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, vous voyez, on me parle de choses qui ont... Autour de vous, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui... On parle de trafic sur la méchanceté, vous voyez. Bon, on va continuer, on va voir un peu ce qu'ils veulent dire par là. En fait, vous véhiculiez des énergies de méchanceté autour de vous. On me parle d'entreprise, vous voyez, c'est peut-être au niveau de votre travail, hein. Et là, on vous parle d'ennemis, de... Il y a des jalousies, j'ai l'impression que pour certains, vous avez beaucoup de gens autour de vous toxiques, hein, et qui... Et du coup, on vous dit, c'est vous qui semez les graines, l'entreprise, c'est ça, hein, c'est semer ses graines un peu, hein. C'est vous qui, peut-être, qui attirez ce genre de phénomène, parce que vous vous laissez faire, ou parce que vous avez une énergie qui est spéciale, hein. Et là, on vous dit, voilà, agissez avec amour, vous voyez, à un moment donné... vous allez avoir envie d'être plus dans l'amour, vous. Hein. Vous ne voulez plus de méchanceté, vous ne voulez plus de jalousie, de personnes toxiques autour de vous. Vous voulez vraiment être entouré de personnes avec qui vous êtes dans la bienveillance et l'amour. Et peut-être aussi que dans votre couple, il y avait cette méchanceté, il y avait cette toxicité. Et là, on vous dit, vous allez apprendre de nouveau à vous aimer vous. Vous voyez, l'amour, c'est ça aussi. C'est s'aimer soi pour pouvoir ensuite vibrer une énergie. Plus on s'aime et plus on fait vibrer autour de nous aussi cette énergie d'amour. Hein. Il n'y a pas de... c'est pas dur à comprendre. Hein. Oui, on vous dit que vous étiez un peu cloîtré ici. Hein. Ça vous a rendu malade, hein, cette situation. Pour certains, vous avez peut-être que même vous allez vous arrêter. Vous allez prendre un petit temps pour vous reposer. Vous voyez, se cloîtrer par rapport aux choses, au trafic, c'est bien arrêter. Hein, c'est suspendre quelque chose ici. Hein. On me dit, ça vous rend malade. Ou peut-être que vous allez être à l'écoute émotionnellement de quelque chose ici. Hein. Ouais. Sous un retard, en tout cas, on me dit que vous allez repartir dans la passion. Vous voyez, vous allez repartir dans l'action. Il y a quelque chose du passé qui se... J'ai l'impression que cette méchanceté ou ces choses qui se sont passées dernièrement, ça a réouvert en vous une blessure. Et on me parle d'héritage, vous voyez. Alors, c'est peut-être aussi de la méchanceté de la part des personnes... peut-être que vous avez une entreprise familiale ou vous travaillez dans une entreprise familiale. Il y a beaucoup de méchanceté autour de vous. Hein, c'est possible également. Mais là on vous dit vous retrouvez la passion, l'amour sous un retard, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête et ne pas rester aussi peut-être dans les énergies du passé. La carte de l'héritage, c'est le passé, hein. c'est peut-être ce que vos croyances erronées, c'est peut-être aussi ça fait peut-être très longtemps que vous êtes dans des énergies négatives. Et là on me dit, ça y est, vous allez surpasser tout ça, hein. Ouais, on me parle de la carte bleue, hein, donc c'est la protection, c'est la guidance, hein, donc c'est comme la carte de la protection dans les autres jeux, comme le... comment il s'appelle dans l'autre, dans l'oracle des miroirs, c'est pas le miroir magnétique, c'est... Ah, je me souviens plus. Enfin, c'est pas grave. On voit que... En tout cas, vous êtes protégé. Et il y a quelque chose, grâce à ça... Quand vous allez prendre conscience de cet amour pour vous-même et ne plus vous laisser faire, ou peut-être d'agir sur vos ennemis ou la toxicité qui est autour de vous avec amour et bienveillance, vous serez récompensé. Vous voyez, on parle de réussite. Hein. Vous allez avoir des personnes qui vont vous aider. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Hein. On me dit, suite à cette trahison... Il y a des gens qui vont vous aider. On parle de pensée d'amitié. Peut-être c'est même vous-même qui allez vous aider vous-même. Hein. Et on vous dit, vous allez découvrir que derrière tout ça, c'est le bonheur. Quoi. Qu'il n'y a pas que la trahison. Qu'une fois que vous avez surpassé ça, c'est bon. Hein. On parle que vous êtes appuyé et aidé par le divin. Hein. Et on me dit, agissez avec sagesse. Hein. Donc c'est bien ça. Allez, on va faire l'oracle d'Isawat.
meuf, des gens jaloux, des gens méchants, on aura toujours autour de vous. Hein, donc, plus vous allez être dans une énergie, vous, de positivité, et moins on vous atteindra. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Voilà, on parle de vibration. Vous voyez, de changement de vibration, il y a quelque chose de plus léger. Vous allez, on me dit, il y a quelque chose qui va... l'horreur, pour moi, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui va naître. Hein, vous voyez, c'est comme la lumière du jour qui commence. Hein, il y a une lumière qui arrive vers vous. On me parle d'une montée de vibration. Vous allez changer votre énergie. Et on me dit aussi que vous êtes... vous êtes aidé par les anges. La plume, pour moi, c'est les anges. Hein. Et on parle aussi avec la plume de légèreté. On vous dit, vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère. Hein, où vous allez vraiment, vous aussi, peut-être arrêter de vous prendre la tête aussi, tout simplement. Hein. C'est peut-être vous, hein, qui êtes méchante avec vous-même aussi, peut-être. Hein, tout simplement. Hein. C'est pas toujours les autres. Hein. Parfois, on est tellement dans des énergies négatives qu'on n'est pas bienveillant avec soi-même. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous étiez dans l'illusion. À un moment donné, vous ne saviez plus trop, là. Hein, qu'est-ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis dans l'illusion aussi. Et là, on me parle d'ouverture de cœur. Vous voyez, le petit cœur, c'est, alors, ça peut être une rencontre, une petite rencontre amoureuse qui commence. Ça peut être aussi vous qui allez réouvrir votre cœur vers quelque chose de plus léger. Voilà, on me dit que vous en avez assez d'être offensé. Hein, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Hein. Donc là, moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose, un règlement de compte, là, hein, les scorpions, au mois de décembre. Hein, vous allez régler quelque chose. Hein, on me parle de parole par rapport à l'offense. Et on me dit que grâce à ça, l'énergie va changer. Hein. On vous dit aussi, faites attention comment vous parlez. Peut-être que pour certains, vous avez une façon de parler qui est assez offensive. C'est-à-dire que vous êtes sur la défensive ou peut-être vous êtes énervé. On vous dit, soyez plutôt dans des énergies plus douces. Avec le petit cœur, c'est la bienveillance, vous voyez. Être plus dans la légèreté. On me parle aussi de discussion, on me parle de légèreté, mais de plaisir aussi, d'harmonie. Vous allez vraiment, on vous dit, vous allez vraiment maintenant changer votre vibration. Il y a vraiment des belles énergies qui arrivent vers vous. Vous allez avoir envie de légèreté, d'harmonie, de plaisir, de discussion. On vous dit, vous allez cesser aussi de vous... On parle d'armure, hein. Vous allez enlever cette armure. Vous voyez, petit à petit, vous allez arrêter quelqu'un qui est sur la défensive. C'est quelqu'un qui a peur, quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui se met une armure, un masque. Et là, on vous dit, il y a une ouverture de cœur aussi. Donc, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit, cessez de vous cacher derrière votre armure, là, comme ça. Hein. Pour certains, vous vous protégez beaucoup. Et on me parle de choses qui sont collées. Vous voyez, vous êtes collé à quelque chose, hein. Alors, la méduse, ça peut être... peut-être qu'il y a des gens néfastes qui vous ont collé, ou il y a quelque chose qui était collé depuis un moment, mais on vous dit, là, vous lâchez. Vous allez lâcher quelque chose qui était collé à vous depuis longtemps. Des choses qui ne vous appartiennent plus, quoi, en fait. Hein. Enfin, qui sont plus bonnes pour vous. Le hibou, c'est un animal qui agit avec sagesse et puis qui observe beaucoup, vous voyez. Allez, on va regarder le conseil des anges, tiens. On va faire les anges d'abord, et ensuite je ferai d'autres conseils. Hein. L'étoile, on vous dit, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc ça, c'est les archanges qui vous disent ça. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, hein, vous avez une armée d'archanges autour de vous. L'étoile, c'est vous qui brillez. On vous dit, vous brillez. Donc, cessez de mettre une armure sur vous ou cessez de vous cacher. Soyez brillante. Mais pour être brillante, bah, il faut avoir une belle énergie. Sinon, bah, votre énergie, elle est terne. Hein. Allez, quelle carte conseil pour vous, les scorpions ? Alors, on vous dit, prenez en main cette situation. Vous voyez, donc, c'est bien ça. On vous demande vraiment, là, de réagir. Hein. Et on vous parle d'écriture. On vous dit, vous guérissez, inspirez, enseignez, et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous voyez, là encore, on me reparle de communication. Hein. Donc, faites attention comment vous parlez, mais comment aussi vous écrivez. Parce que, bon, parfois, on ne parle pas, on écrit. Et ça peut faire mal aussi, ça. Hein. Et les mots ont une vibration, comme les paroles, comme les actes. Tout a une vibration. Alors, je vais vous dire de vous poser une question dans votre tête et vous, je vais répondre avec une carte. Voilà, allez, c'est parti, je tire la carte. On vous dit résolution pacifique, donc c'est bien ça, encore une fois, on revient là-dessus. Hein.
On vous dit bien que cette situation peut se résoudre, mais il faudra être pacifique. Donc, être pacifique, c'est être dans la bienveillance, c'est être dans l'amour de l'autre et le pardon. On revient toujours à la même chose. Hein. Alors, je vais vous tirer une carte de... Enfin, des cartes, pardon. De l'oracle de la lune de Mika. Des oracles de Mika. Très bel oracle. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Donc, ça peut être sentimental ou général. Hein. Et après, je ferai un sentimental avec l'oracle améthyste. On vous dit, vous êtes contrarié, mais profitez de l'instant. On me dit que même si vous avez des contrariétés, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau travail. On vous dit profitez de l'instant tout de même. C'est pas parce que vous êtes contrarié qu'il faut pas qu'il faut mettre votre armure et puis vous cloisonner. Hein. On vous dit, c'est une mauvaise idée d'être en dualité, persévérer, on me dit, il y a un engagement derrière, mais pour cela, il faut méditer. Vous voyez, donc on vous dit bien, méditer, c'est lâcher prise, hein, c'est vous aligner, vous ancrer pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on me dit que là, clairement, vous êtes en dualité et que ce n'est pas une bonne idée. Quand on est en dualité, on ne prend pas les bons choix, on ne fait pas les bons choix et on ne réagit pas de la même façon. Donc, essayez de... On vous dit persévérer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Ne soyez pas dans... Vous voyez, la mauvaise idée, c'est de tout casser, quoi. Un peu, vous voyez, ce miroir qui se brise. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes tellement énervés que vous avez envie de tout casser. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, on vous dit. On vous dit qu'il faut plutôt être dans la bienveillance, encore une fois. Et on vous dit que derrière tout ça, il y aura un engagement. Il faut persévérer. Même si vous êtes seul en amour actuellement, ça ne marche pas. Ou je ne sais pas, ça peut être au travail. Persévérer, à un moment donné ça va payer. Alors on parle de compromis, vous voyez, au lieu de tout casser, trouver des compromis, on me dit dépassez-vous, vous voyez, vous allez surpasser cette dualité, ne vous inquiétez pas. On me dit que vous êtes protégé encore une fois, vous voyez, encore une fois. Hein. Persévérer, vous êtes protégé, vous avez une belle étoile au-dessus de vous. Hein. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte ou si vous avez peur. Peut-être que pour certains, vous avez des peurs au niveau d'un engagement. Alors, ça peut être même professionnel hein, ou sentimental. Enfin, là, moi, je pense plus que c'est sentimental. On vous dit engagez-vous, vous pouvez y aller. Aimer sans crainte, recommencez, n'ayez pas peur. Hein, même si, et profitez de l'instant, encore une fois, on vous dit. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein, c'est pour certains, vous avez des peurs. Et vous êtes sur la défensive. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'il faut être. Hein, les scorpions. Je connais des scorpions, donc je sais comment ils sont. Hein. Ça, parfois, ils peuvent être très piquants. Hein. Ils ne se laissent pas faire, les scorpions. Bon, après, vous avez raison. Hein, mais parfois, il faut mettre un peu plus d'eau dans son vin, comme on dit. Parce qu'on ne résout rien avec la colère ou en étant piquant. Moi, je peux l'être aussi, hein, mais j'ai appris à... Enfin, j'essaye... Je ne suis pas scorpion, mais bon, les Verseaux sont pas mieux. Hein. Alors, on vous parle de relations instables ici. Hein. Il y a quelque chose qui est instable dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être amical, encore une fois, émotionnel, sentimental, travail. Ouais, on parle de quelque chose qui est gelé. Hein. Mais après, c'est peut-être vous hein, qui... Comme vous n'êtes pas bien actuellement, vous rayonnez quelque chose qui est instable. On parle de femme et d'homme rival, hein, donc c'est bien ça. Hein, y a bien une rivalité entre deux personnes ici. Alors, soit vous attirez des personnes qui sont méchants avec vous aussi en ce moment. Hein, y a peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui vous embêtent, hein, pour ne pas dire autre chose. ou c'est peut-être un couple ici qui est en train de se... Voilà, qui est en train de pas de s'entretuer, mais presque quoi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très, très fort ici. Alors, on parle de pause. Vous êtes en attente. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ou peut-être qu'il y a eu des mensonges, je ne sais pas. Ça tourlupine dans la tête, là. On vous dit lâcher prise. Vivez l'instant. On me dit, faites comme cette grand-mère. Parfois, c'est bien de réfléchir au coin du feu. Vous êtes en attente. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met en attente, en pause. Hein. Vous êtes en pause. Hein. Ben c'est bien parfois de faire une pause. Alors, on parle de relations secrètes ou de choses secrètes, d'instabilité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, soit c'est vous qui ne les dites pas, soit c'est des gens qui vous mentent, ou vous êtes dans une relation aussi peut-être avec quelqu'un qui est une relation triangulaire. Donc, il y en a un des deux qui n'est pas seul, hein, ou bien tous les deux. Hein, et on me dit que c'est compliqué en ce moment. Et on me dit que vous êtes en pause actuellement parce que...
Voilà, ça traîne quoi. Hein. On sent que ça traîne. Hein. Le grand-père, c'est quelqu'un qui marche, vous voyez, lentement. Et peut-être que ça traîne aussi, peut-être parce que justement, chacun, vous restez dans vos habitudes anciennes, dans votre. Ouais, on vous parle de maman, vous voyez, pour certains. Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous avez des enfants aussi. Pour certains, vous êtes plutôt maman ou papa actuellement. Votre couple, il est un peu laissé de côté. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans des blessures du passé. Il y a des choses qui ressurgissent du passé aussi, des choses qui n'ont pas été résolues. Hein. On parle de secrets par rapport à l'ancien. Moi, ça me fait penser à des gens qui ont refoulé beaucoup de choses. Et là, émotionnellement, vous êtes en train de. Vous savez plus trop quoi, en fait. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver pour vous aimer, vous déjà, prendre soin de vous. La carte maman, c'est être une maman pour soi-même, hein, et être dans la compassion. Donc, on vous dit lâcher prise et lâcher vos superficialités. On vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas, vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Donc, il y a quelque chose à aller lâcher pour voilà, arrêter de vous mentir à vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà avec une femme, une autre femme ou un autre homme, hein, et on me dit que c'est une relation qui va pas au fond des choses, vous en avez assez. Ou peut-être que la personne en face, elle est superficielle, hein, c'est possible également, ou elle vous prend pour une personne superficielle, et on vous dit, voilà, on vous dit, vous allez ne plus vous mentir hein, par rapport au bonheur. On vous dit, vous allez lâcher prise, vous allez lâcher des choses afin d'être dans le bonheur. Hein. Donc c'est bien ça. Alors que ce soit seul ou accompagné, vous allez faire quelque chose qui va faire que vous allez faire sortir tout ça par la discussion, peut-être par l'aide d'un thérapeute. N'hésitez pas, hein, moi en ce moment, je vous fais des. Si vous voulez, je peux vous faire un diagnostic gratuit pour voir vos blessures émotionnelles. Donc, vous pouvez déjà m'exposer un problème, par exemple, si vous avez des schémas répétitifs, et je vais aller voir de où ça vient et comment le résoudre. Est-ce que c'est faut faire un soin karmique? Est-ce qu'il faut faire un soin transgénérationnel? Est-ce qu'il faut faire un soin de libération de l'enfant intérieur? Bon, enfin, moi, je vous propose tout ça, n'hésitez pas. Hein. Alors, voilà, on me dit qu'émotionnellement. Vous avez vraiment envie de lâcher quelque chose ici, de plus vous mentir pour être dans le bonheur. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Enfin, mais moi, j'ai l'impression que les scorpions, ce mois-ci, ça va être, enfin, au mois de décembre, ça va être de travailler sur vos émotions pour vous aimer, déjà. Ou de ne plus laisser les autres vous faire du mal. Alors, l'oracle essentiel de Mika. Les oracles de Mika. Il est très beau aussi, ce jeu. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on vous dit, je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Bon, bah, c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. On vous dit également, je mérite ce qui existe de mieux et je l'accepte. Voilà, enfin, vous allez comprendre qu'il faut arrêter d'être dans le mensonge, de vous mentir à vous-même, de vous faire malmener. Voilà, de ne plus être avec quelqu'un qui vous malmène ou des gens. Hein. Voilà, vous méritez le meilleur. On vous dit, à chaque respiration, je libère mon corps du stress. Voyez, travaillez votre respiration. C'est important. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, par exemple, hein, ou de la méditation. On vous dit, je renonce à toute pensée négative. Eh bien, c'est bien ça. Vous allez vraiment vers le positif, vous, hein, c'est bien. Et mon corps vibre d'énergie et de vitalité. Bah oui, quand on lâche des choses négatives, notre corps, il vibre de nouveau le bonheur et la joie, la liberté, hein. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que quand on rumine. Ben, on n'est pas bien en fait, hein, et notre énergie, ça nous épuise. Hein. Donc, je vais maintenant tirer une petite carte des huiles essentielles, comme je faisais à mes débuts, il y a 2 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient déjà. Comme moi, je suis conseillère en naturopathie, j'aime beaucoup les huiles essentielles et ça a des vertus vraiment sur tous les plans, hein, physique, émotionnel, spirituel. Donc, n'hésitez pas à utiliser les huiles. Hein, bon. Faites-le avec prudence, hein, c'est assez puissant. Hein. Donc pour certaines huiles, il ne faut pas les utiliser si on est enceinte, sur les enfants, etc. Ou même si vous avez une maladie particulière. Alors, la bergamote. Hein. Ah bah tiens, c'est déjà sorti pour un signe, ça il me semble. Ou peut-être que je l'ai sorti pour une guidance du jour, je ne sais plus. Alors, la bergamote, ses mots-clés, c'est je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets.
Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. Vous voyez, donc là, vous allez prendre conscience que vous avez un travail à faire sur vous, mais que vous le prenez positivement. Vous vous dites que c'est pour votre bien et que grâce à ça, vous allez changer et que ça va rayonner aussi sur votre entourage. Donc du coup, ça va attirer à vous des situations beaucoup plus joyeuses au niveau sentimental, même au niveau travail. Vous allez être reconnu, vous allez être regardé différemment. Hein. Les mots guérisseurs, c'est « j'avance dans la paix de l'esprit » et je me quoi ? Et je m'aime inconditionnellement. Non, c'est pas ça, c'est pas je m'aime. C'est je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Bon, enfin, c'est s'aimer aussi. Hein. Alors, voilà. Donc, vous allez vraiment faire qu'un avec vous-même, en fait. Hein. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre sagesse et vous allez avancer. Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose. Hein. Alors, la bergamote, c'est une huile essentielle qui est assez douce pour moi. Donc, vous pouvez la mettre dans un diffuseur d'huile essentielle, par exemple, avec d'autres huiles, comme par exemple le petit grain bigarade, la mandarine, vous voyez, pour faire une atmosphère très, très apaisante dans votre logement, par exemple. Hein. Vous pouvez le diffuser pendant, je ne sais pas, 20-30 minutes. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous pouvez le mettre peut-être sur votre poignet, la respirer. Dans votre bain, voilà. Hein. Il faut toujours la couper avec une huile végétale. Hein. Parce que si vous le mettez dans votre bain comme ça, ça va pas se disperser, puis ça risque de vous brûler. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour toutes les autres guidances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.